Bonsoir, bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour si vous avez plus de vidéos, c'est à cause de Shinai, voilà. Et de ce jeu de ses morts. C'est assez rigolo, c'est du poison ça, j'avais pas fait gaffe. Get poisoned. Et là? Ok, parfait, je vais mettre ça là. On s'en fout. Ça vous fait chier les rats. Est-ce que je one shot d'ailleurs? En fait, le truc, c'est que je vais one-shot les rats. Mais j'aimerais bien mettre des coups de torche d'abord. Petit coup de torche là. Ok, je peux trop sortir de là? Non, j'ai pas assez de move. Bon bah, reste dedans. Bonne soirée à toi. 8 de poise hein, quand même. Vu que c'est un pourcentage de PV, hein, ça douille toujours un peu. Non, toi, on s'en fout. Arrêtez de vouloir me faire jouer systématiquement les mecs qui sont engagés comme si c'était vital. Bien que. Parce que j'ai de l'humour, on peut tout de même faire ça. Voilà. J'ai de l'humour. Tac, tac, tac. Petit coup de torche dans ce machin. Est-ce que tu peux fragiliser ce truc, même si tu t'engages pas avec, normalement? Ah, c'est ça, tu peux pas... Est-ce que tu peux l'affaiblir, alors que ça fait pas de poison? Enfin, que ça fait que du poison. Bon, bah, le jeu n'a pas d'humour. Réponse, le jeu n'a pas d'humour. Donc, one shot les rats. C'est parti. Tac, tac, tac. Bonjour, on va venir ici. Hop, alors. Non, je suis dedans là. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Est-ce que je laisse le rat du fond se dégager? Non. On va prendre justement le rat du fond. Donc là, c'est le zbeul. Alors, l'idée, c'est pas de les one-shot tout de suite, tout de suite. C'est de vous montrer que ça se one-shot. Mais. J'aimerais bien gagner mes trucs de pestiféré, donc tenir un tour de plus, ce serait très bien. Donc, pas tuer tout le monde. Être gentil. Être un ami de la vie. Elle est moche, elle est magnifique. Enfin, vous m'avez compris. Elle est Nurgle-like un peu. D'ailleurs, très Nurgle-like. Like a Nurgle. J'avais plus de move. Ah oui, mais je peux pas parce qu'en fait le rat me bloque. Bon. Tue pas tout le monde, hein. Sois cool. Sois cool, sois cool. Hein. Tue pas les gens. Voilà. Bon, le petit raton dans le plus grand des calmes. Mais me mets pas un gros critique dégueulasse sur la grosse. Hein. Voilà. Hop là. Petit coup de couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Ça va le faire, ça va le faire. À un moment donné, de toute façon, je vais arrêter. Hein. Sinon, je vais être trouble. Sinon, ça va les tuer. Hop là. Ah, bah non. Oui, parce que pour la tuer, oui, il aurait fallu que... Heureusement, je suis un génie. Je suis un génie. Il aurait fallu que je la bourre un peu plus ou que je bourre les petits rats avec mon attaque. Avec cette attaque qui se régène. Normalement, s'il lui fait pas de crit, ça tient. C'est bon. Ça tient. Ouh, on va pouvoir jouer un tour de plus. Toi, pendant ce temps-là, va filer un coup de main, ma pote. Ouais, c'est très bien. Monsieur Port. Monsieur Port. Tellement bien. J'ai encore des mecs qui peuvent jouer. Oui, complètement. Tiens, bah, tue-moi ce machin-là. Très bien. Non. Bah, tu sais quoi? Économie de points. Très bien. Parfait. Venir ici. Et parce que j'adore l'humour, demande à Monsieur Port de le tuer, s'il te plaît. Yes. Merci, Monsieur Port. Non, on s'en fout. On s'en fout, on a liquidé tout le monde. Parfait. Tu te mets juste, genre, bien devant, là. Blim. Voilà, comme ça. Bien comme il faut. Parfait. Hop. On resserre les gens. Tu vas la tuer. Donc, on arrête de tirer. Halte au feu. Cessez le feu. Voilà, pause café. Attends que les... Meurs pas, hein, par contre. Hein.
fait apparaître plein de races, tu veux. D'ailleurs, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu, parce qu'à chaque fois, je les ai one shot. Ah, merde. Un peu trop tapé dans le gros. Eh, merde. Alors bon, faut pas one shot un cerveau. Oh, c'est chiant. On recommence. Attendez, on prend tout. Ouais, continuez. Non, mais on recommence. J'espère qu'attends, c'est la bonne sauvegarde. Il 50. Ouais, c'est bon. On se la refait. J'ai mis un peu trop de DPS dans le gros rat. On se la refait. Bougez pas. On va DPS un peu moins. Je pense que j'ai trop utilisé de coups de couteau. Je pense que j'ai tellement utilisé de coups de couteau que je devrais peut-être pas en utiliser. Parce que les couteaux de cuisine, les couteaux de salle à manger, ça a l'air, c'est un peu trop énervé. Hein. Je vous cache pas que c'est le, c'est un peu, c'est pas un peu d'ailleurs, c'est le mec qui carry ma game de ouf en fait. C'est le mec qui fait le café. Par contre, j'aurais peut-être pu charger une sauvegarde où j'avais rangé tout le monde. Toi par là. Non, toi on t'avait dit par là parce que t'es celui qui se déplace le plus vite. Ah, sinon attends, grenade aussi, je peux envoyer une grenade parce que tu peux pas y aller en un tour. Parfait, donc je vais envoyer des grenadiers, des mecs qui cassent tout, casser tout, brûler tout, voilà, amusez-vous bien surtout. Comme ça, là, pendant un tour c'est festival pour vous. Pendant un tour, ah ouais mais faudrait quand même que je leur mette une petite bombe incendiaire. Hein. C'est un peu abusif. Voilà. Tac 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 tac. Tic 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 tic. Oh, on joue comme un demeuré, hein. On a rien à péter. On est fou. On est fou, on veut pas le savoir. Moi je suis en train de tester un truc pour voir si ça tient en 2 tours, en 3 tours. En combien de tours on peut faire vivre cette game incroyable. Tu peux faire un courroux sur ce genre de truc. Ah ouais, tu peux faire un courroux sur ce genre de machin. Putain, c'est incroyable. Non mais la godasse. Mais la godasse. Mais incroyable ce mec, mais c'est full gaming, hein. Et le mec est revenu à sa place de départ. Salut, j'ai raté quelque chose. Non, ça va, les motep ça va. Oh, 10 par contre. Oh, j'ai pris tous les poisons du monde. Mais vous inquiétez pas, c'est géré. Car nous sommes à côté de la bonne personne. Boum, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et il ne s'est donc jamais rien passé. Il me faudrait d'ailleurs un autre healer dans mon groupe, parce que bon, lieutenant, tank, casse-mur, casse-tronche, casse-muraille. Ah bah voilà, j'ai échoué. Bon, j'ai échoué avec un crit, mais sachez que j'ai échoué. Parce que j'ai plus de points de... vu que je l'ai soigné, du coup j'ai plus assez de points. Donc c'était une erreur. Le monsieur bien urbain. Ce qui serait formidable, voilà, c'est que tu motives ta troupe. Voilà. Comme ça, je te déplace dans le brouillard du sbeul des microbes de l'oubli. Voilà. Fous un coup de latte dans le machin. Oh non mais putain, t'es énervé toi aussi là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Calmez-vous. Il y a un petit maintien de la ligne, repousse-moi ce truc. Tu l'as bien repoussé. Bien vu l'aveugle. Juste un peu de poison, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a un rat là qui va jouer, bon on va l'empêcher de jouer hein, du coup. Tranquillement hein. Ouais, le move est un peu dégueu, mais bon. Le move est carrément dégueu. Hein. J'ai mis un coup de flamme. Et une petite flamèche, au moins comme ça, t'es engagé. Et là, boum, tu le tues, j'ai gagné un point. Tranquillement en faisant rien. Ça, c'est donc très bien. Let's go. Monsieur Port. Bien joué, Monsieur Port. Monsieur Port et le gaming, incroyable. Regroupement des archers. Tiens, on voit ce machin. C'est évidemment instantanément mort. Tu vois ce machin là-bas, là? Oh, je me suis trompé de cible. C'est bien dommage. Comme c'est dommage.
Ah non, ils ont blessé mon cochon. Ils ont blessé mon cochon. Ah non, pas mon cochon. Il faut que j'aille acheter un médoc. Mon dieu, c'est terrible. Ça, c'est un rat crevé. Ah, t'es un peu loin. J'ai pas envie de claquer un point pour ça. Tiens. Mange, petit bâtard. Oui, j'ai oublié de passer ton tour. Oh mon dieu, un rat! Oh non, pas mon cochon! Ça fait quoi la fièvre? Fièvre du samedi soir. Dégâts subis augmentés de 10% cumulables. Ah! J'ai jamais fait attention. Hein. Sentez que le mec il s'en bat l'arrêt ou. C'est comment? Est-ce que je peux bénéficier de la brutalité? C'est... Pourquoi j'ai pas la brutality? Adjacente. Je suis adjacent là mec hein. Ou alors adjacent tu veux dire sur les teco. Genre spécifiquement sur le teco. Bon, tu nous diras ça. Allez hop. Bah ouais. Ça c'est des choses qui arrivent. Vas-y. Invoque des moches. Oh là 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 là, c'est beau ça. Pourquoi il y a des rats qui apparaissent dans... La nuit tombe. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? J'ai pas suivi. La nuit tombe, je sais pas quoi. Allô ? J'ai pas regardé ce qui se passait. Un sacral ? La tombe en miettes ? Ah, ça a des compétences ce truc ? Attendez, j'ai jamais regardé. Ouais, j'ai l'air une zone de poison. Cette unité a pyrophobie, et dégâts de poison, régénère sa santé à la place. Ah, donc elle s'auto-régène dans son propre poison. Oh, c'est bien vu, ça. Ça, c'est bien vu. Hein. Ça, c'est écolo, hein. C'est un système... Ah oui, alors du coup, plus de poisonnade. Lol. Certes. Alors la grotte est censée s'effondrer sur vous, mais vous aurez tous bougé d'ici là. Il lui reste un point de vie. La question c'est, est-ce que tu te régènes ou est-ce que tu subis d'abord des dégâts? De poison. Donc elle va régénérer 16 points de vie. 20% de sa santé. Donc t'es censé récupérer 10% de ta vie, je vais t'en enlever 20. Donc normalement, si le jeu est bien fait, elle meurt tout seule qu'elle s'est régénéré sa vie avant ou pas. Très bien. Mais je crois que j'ai plus de greux. Oui c'est ça, je te voyais plus. Ah si ? De toujours ta greux ? Non mais Non mais Moi si le jeu m'autorise à tricher, c'est parti hein. Couteau de cuisine, couteau de salle à manger, couteau à poisson, couteau à coquillage. Là, ah j'ai plus de points. Toujours le même drame, hein. Je regarde pas le nombre de points que j'ai, c'est pas grave. C'est pour ça à la base que je voulais jouer des archers avant de le jouer, mais c'est pas grave, on va tuer tout le monde, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. On va juste assassiner tout ce qui traîne. Boum, voilà, très bien, parfait. Alors viens ici, oui c'est du feu, oh du feu. C'est pas mort, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Bon, on fera pas des attaques en boucle, hein, mais déjà on va dégrossir les rangs comme il faut. On voit bien. Hein. Voilà. Oh parfait, il lui reste un pef, c'est magnifique. Regardez, hop, on vient ici. Un petit culu. Voilà. Toute cuisine. Toute salle à manger. Couteau au fromage. Et bien sûr, couteau à beurre. Qu'est-ce que j'avais dit? Couteau à beurre ou pas? Je l'avais dit ou pas? Bah ouais. Tac, 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 tac. Supporte notre ami cochon. Monsieur Port. Monsieur Port qui tank pour tout le monde, hein.
Il fait du tankinage pour tout le crew. Hein. Ouais. Vas-y, attaque le bien urbain. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monde pour embrouiller le bien urbain. Hein. Crois-moi bien. Voilà. Nous sommes engagés. Alors, je pourrais cramer un point, mais je suis en économie de points, là. À chaque fois, je vais jouer un voleur. Après, j'ai plus de points, là. C'est un drame. Ouais, si, par contre, fais-moi un courroux là-dessus. Dégage-moi ça. Hein. Voilà, super, magnifique. Et vu que t'as plein de points... Voilà. Plein de points de move, hein, évidemment. Quand t'as un tank DPS qui se déplace d'autant, la 99, ça va la gifle à 99, ça vous parle ou pas? Moi j'apprécie beaucoup, hein, personnellement. J'approuve. Coucou. Voilà, et on est à côté de Monsieur Port. C'est pas mal, hein, pour un tank. Un tank à qui j'ai remplacé mon bouclier pour mettre une torche. Tous les mecs qui ont une torche, et c'est en gros, c'est mes shields, donc c'est mes tanks. Enfin, ce sont mes boucliers, donc ce sont mes tanks. Bah on peut tuer la grosse, hein. Ouais, vas-y. Boum. Oh, 50 de base, hein. C'est bien. Ça la bouge, la grosse? Ah non, elle bouge pas. Elle est statique, elle est statique. Non, je continue à tirer avec mes archers. Alors, pour mettre fin au combat, faut tuer la grosse. Mais est-ce qu'on veut pas d'abord tuer un... Ah non, je veux tuer Monsieur Porsche. Je veux pas tuer Monsieur Porsche. Hop. Fin de tour. Voilà. On a tout pris. On sort de là. Par contre, ouais, je ne sais pas ce qu'on a looté. C'est quoi ces trucs là? Ouais, du cœur pestiféré, ouais, ça je connais. Tac. Donc le crew. Le crew. 3 shields identiques. Shieldas. 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 Parfait. Par contre, les... Ah, les torches sont plus compilables les unes sur les autres. Quel pur plaisir. Bon, c'est pas grave, on va aller les vendre. Très bien. Et il nous manque... Vu que j'ai un bon couteau, faudra que je reprenne un voyou. Et j'ai eu qu'un seul cerveau infecté. Alors, c'est quoi les récompenses supplémentaires, soi-disant? Me suis fait arnaqued? C'est gagner des morceaux de rats, les récompenses supplémentaires? Get arnaqued? Putain, insupportable ce jeu. Un sup. Il y a des cochons par là. Attends, je vais chercher mon remède. Hein. Surveiller s'il n'y a pas de la flicaille quand même. Petit problème avec les forces de l'ordre ces temps-ci. Oh, faudrait que je me fasse des cauchemars. Oh yes, j'ai besoin de cuir blanc là. Let's go les cochons cauchemars là. C'est tout. Oh, venez, on se fait un cauchemar dans la même VOD. Au secours. Eh, c'était pas prévu hein, cette VOD, hein, mais genre pas du tout. Désolé, c'était genre pas prévu du tout. Non, puis bon, j'avais prévu juste de faire une vidéo vite fait pour un pote, mais en fait, je vois que ça a dégénéré. Putain, j'ai mis du café sur mon JDR The Wisher. Au secours. Au secours. Mm-hmm. Toujours le zbeul, hein. On va essayer de ranger ça. Monsieur le bien urbain, venez ici, s'il vous plaît. Au milieu des tanks, toujours. Au milieu des tanks, évidemment. Monsieur Port, alors on essaie de le mettre dans un... excusez-moi. On essaie de mettre Monsieur Port de façon à ce qu'il se prenne pas trop de gifles. Quoique maintenant, Monsieur Port, si tu peux, hein, 96 PV, tu peux commencer à encaisser un peu. Certaines unités doivent être soignées avant le prochain repos, sinon elle sera contaminée. Ah, j'ai jusqu'au prochain airpo. J'aurais peut-être pas dû engager ce combat. Peut-être dû aller soigner une unité. Monsieur le bien urbain, il nous faut des points parce qu'on est à sec. Merci. Voilà. Let's go ici. C'est un cochon, ça. Je vais pouvoir me l'engager, ça, c'est un porc. Viens-moi ce loup de merde. Attends. Avant d'aller plus loin. Courroux sur le loup. Voilà. Coup de savate dans sa gueule. Voilà. Embrouille ce loup là. Voilà. Et tu te mets une déviation. On a plus de points, hein, mais on l'a tanké comme un sourd. Hein. Là l'objet ce serait quoi? Ça serait d'aller embrouiller au close tout ce qu'on peut embrouiller au close. Alors bonjour. Ça vous dit une embrouille au close? Voilà.
et économiser du point pour pouvoir partir sur, bien sûr, une série de coups de couteau. Évidemment. Parce que c'est terrible. Hein. Là, moi, je vous ai pas montré le top du top avec ce couteau. Donc, c'est le couteau de l'ogre, d'ailleurs. Le top du top du couteau, c'est un... Là, vous voyez ma barre en bas de... j'ai envie de dire de bravoure de machin. C'est comment s'appelle ces points à la noix, là. Mais oui, c'est ça, c'est de bravoure. Non, je me rappelle. C'est incroyable. Pour une fois, j'ai de la mémoire. Les points de bravoure, plein, là, siphonnés. En un tour. 12 kills. Un film. Un film, je peux même pas vous dire un film de qui, hein. Parce que je connais pas un film de lanceur de couteau. Envie de dire, trouvez-moi ça. Hop. Voilà, ça c'est fait. Je vais mettre devant Monsieur Port pour protéger Monsieur Port. Très important. Ok. Non, je vais pas te faire jouer tout de suite. Je vais prendre d'abord le monsieur ici. Juste là. Et là, je suis adjacent. Là, me dis pas que j'ai pas la brutalité. La brutality. Voilà. Petit cri dans la bouche. On n'en parle plus. Hop. Riposte activée. Ah, je suis toujours en incendiaire. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'était pas trop l'objet. Voilà. Parfait. Quoi, c'est tout comme dégâts? Tu dégoûtes. Bon, bah, je vais cramer un coup. Voilà. Meule du poing, tranquillement, souplement et évidemment sobrement. Ouais, ça me dit bien de mettre du feu à cet endroit-là en vrai. Ou alors je peux économiser mes greux aussi. Voilà. Donc aussi économiser un peu mes greux, j'aurais dû lui remettre un couteau, j'y ai pas réfléchi. Et il faut que j'aille chercher un remède si je veux pas perdre Monsieur Port. Avant de me reposer. Et je sens que, comme d'habitude, mon dernier repos, il est loin. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, il est supported. C'était un peu trop puissant à mon goût, mais c'est pas grave. On va dire que c'était bien, hein. Godas, faut que j'arrête d'en faire un tank, hein. C'est insupportable, je me fous sous le nez des ennemis tout le temps, ça. C'est insupportable. Ouais. D'accord. Et donc ça, c'est le dernier loup qui était caché, évidemment. Ah, les renforts débarquent tout de suite. Non, mais ça, calmez-vous. J'ai demandé manger des chips, ça va vous détendre. Tue-moi ce porc. Ah bah non. Tue-moi ce porc. Ah bah oui. Tout de suite, ça se passe autrement. Je serai plus en contact. Ah, je peux pas lancer mon molotov aussi loin. Ici. Voilà. C'est pas... alors je touche le loup mais je le... Bon. Alors. Faut bien se placer. Hein. J'aurais pas le deuxième dans... J'aurais pas le troisième dans tous les cas. Donc bon, c'est pas grave. Vas-y. Oh, le jeu qui a tant de mal avec le feu. Ah, par contre, ah, ça dégage la brume. Oh, je savais pas que ça dégageait la brume du cauchemar. Ah, oh, trop fat. Trop fat. Vas-y, tu moches nous. Ah,
Alors c'est là où c'est insupportable, c'est-à-dire que là je vais le tuer. Donc je peux réutiliser mon attaque. Voilà. C'est certains disent que c'est insupportable. Je suis relativement d'accord avec eux. Que je monte un peu ses critiques à ce gars là. Taurus. À combien en crit? Ouais, 14% c'est un peu léger. Hein. En fait, c'est très intéressant de les monter en crit les berserks comme ça là. Comme je l'ai monté. Parce qu'en gros, qu'il s'engage, qu'il se fasse engager par un adversaire ou que moi je l'engage, je gagne un point. À partir du moment où je gagne un point de bravoure, je peux faire mon déchaînement. Plus mon attaque de base. Donc je vais rentrer. 4 attaques. Toute l'idée, c'est d'essayer de le monter. Alors moi, j'ai monté, comme vous pouvez voir, sa force et sa constite comme un gros sourd. Voilà, évidemment, il fait des dégâts supplémentaires contre les gens qui ont 50% de PV au moins. Règle que j'avais pas compris, mais voilà. Donc j'aime bien le foutre au milieu, le mettre un peu n'importe comment. Comme tous mes gars, j'ai envie de dire, je le joue un peu n'importe comment, tout va bien. Et donc là en fait je trouve qu'il a largement assez de force et de constite. Ce que j'aimerais c'est monter son crit pour aller chercher justement un pourcentage je dirais honorable de dégâts de chances de crit. Voilà, c'est le projet avec le perso. Oh monsieur Porc! Non revenez monsieur Porc! Sachez que je vous aime monsieur Porc! Et je peux soigner son truc en plein combat? Non, attends, ça me fumerait. Ça, je le dis tout de suite, ça me smoke. Non, ça marche pas, quand même. Je me suis dit, attends, on va pas mongoliser l'autre quand même. Hein. Voilà, toute mon escouade de type gratos. Donc ça, c'est le parpaing. Voilà. Bon, on est sur un tank, hein. Mais on est sur un tank dont je suis en train, par contre, lui, de monter sa force. Je compte pas trop sur sa chance de crit, même s'il crit, je trouve, très souvent. Je trouve. C'est surtout tous les effets qu'il applique qui, moi, me plaisent beaucoup. Les mecs font plus aucun dégât. Lui, il a un bonus quand il leur casse la tronche. Genre, par exemple, j'ai trouvé cette masse, voilà. J'ai beau fabriquer maintenant des masses en acier, des corbe-fer en acier, c'est de la merde à côté. Cette arme est trop bien. C'est pas fou, hein. J'ai récupéré la masse là, de la jeunesse éternelle des cultistes à la con, là. Qui fait du 33 tout le temps. Dès que ça touche deux mecs, ça te régénère de la vie, tout ça. Bah, je trouve ça moins bien. Je l'ai testé, hein. Moins bien. Parce que déjà, situationnel. Là, lui, tout seul, je peux l'envoyer contre n'importe quoi, ça marche. Voilà. Non. Oxbow Puccino. Il reste quelque chose à fumer, là? C'est où ça? Ah bon, c'est pas. C'est pour ça. Très bien. Et ben ça, c'est les meilleurs moments de ma vie. C'est-à-dire que j'arrive. Je passe mon tour. Et je prends le monsieur là, je mets juste là. Je passe mon tour. Et j'ai gagné 2 points. Quel plaisir. Sale tête. Pour une porte de merde. Un port. Mon royaume pour un port. Excellent. Cette action coordonnée. Pas de cauchemar? Non. Bah ok. Voilà, j'ai mes fourrures, c'est tout ce qui compte. Non. Donc, là, mon projet. Il faut déjà que je campe. Je peux pas camper. Je voudrais bien, mais je peux point. Hein. Là, le projo, c'est de trouver impérativement les gars qui vendent des remèdes qui sont juste... Voilà. Juste là. Sachant que le groupe va bientôt me dire... voilà. Le groupe est au ralenti absolu.
Et techniquement, d'après ce que le jeu dit, c'est qu'on peut mourir. Là, si je refuse de me reposer, normalement, les gars peuvent mourir. D'ailleurs, les gars peuvent mourir. Je sais pas combien de RG mis, mais je crois que j'en ai 3000. Oh non, pas un autre combat là. Ouais. Restez tranquilles, les cochons, hein. Stay cool. Pigmen. Allez, viens dévers moi, les gars. Viens dévers moi! Mais wesh! Vous partez dans l'autre sens, hein. Ils partent dans l'autre sens, les bâtards. Le jeu qui me manque de respect. Ouvertement. Allez, faut les intercepter là. Ouais, parfait. Bonjour. Bah, il m'en faut de rien. Venez, on prend un acompte. J'ai dit que j'en prends deux. Merci, monsieur. Hein? Tu voulais que mon cochon y meure là? J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Oh, c'est dommage. Ta gueule. Ah, j'avais une chance de le soigner à 25% avec un truc classique. Oh, j'aurais pas dû me faire chier. Oh, j'ai pour rien. Bon, je vais me faire agresser par les porcs locaux, mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on se met sous la dent, les gars? On a le choix. Moi, je mangerais bien du vieux rat pourri. 48. Voilà. On se fait attaquer par des porcs. On s'est pas fait attaquer par des porcs. Je suis un peu surpris. Alors attends, j'ai un vide aussi dégueulasse qu'un hydra. Cette pourriture partout, j'ai l'impression de se sentir en... Oui, bah... tu fais chier un peu. Le statut désinfesteur, ça me paraît positive. Allons voir, je prends le risque. Le problème, c'est quand tu choisis un statut, on n'a pas la description de ce que ça fait. C'est pas par ordre alphabétique, c'est ça. On emmerde le. Le statut là. Dégâts contre les excroissances spécifiques augmentés de 50% au statut retiré après un affrontement contre les invasions de rats. Sympa! Il va falloir que je te trouve un arc de feu là. Oblige. Matos là, des réparations, ça a l'air daillé un peu là, ça a l'air d'être compliqué. Non, c'est bon, on va garder ça comme ça. Voilà. Alors oui, je répare pas les armures pour la très simple et très bonne raison qu'au fait les faire réparer par un forgeron, bah ça coûte pas très cher. Oh, des cauchemars. Quel affreux cauche. Parfait. Vite, des fourrures et plus de côtes de porc. Let's go! Let's go! Quel affreux cauche. Voilà. Mais bon, je vais vous foutre la paix à un moment donné. En vous souhaitant une bonne journée. À la prochaine. Salut.